Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro du mois de janvier. Donc on va faire les balances, on est parti. Troisième signe que je fais, ce sont donc les balances. Balance, signe ascendant lunaire solaire, je vous laisse vous installer. On va aller voir avec les artisans de lumière quel est le message pour vous, les balances. Alors attends, parce que j'en ai à moitié à l'envers, à moitié à l'endroit. Et voilà. Allez, je vais essayer de faire ça en petit format, toujours comme d'hab, pour ceux qui me connaissent. Maintenant, je fais les tirages généraux. Après, les tirages sentimentaux, je trouve que ça va bien. J'aime bien le faire comme ça. Voilà. Fait en deux temps, c'est sympa. Voilà. Donc, pour les balances, signe ascendant lunaire solaire, quel est le message pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Alors, gardien de la terre, wow, magnifique. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Donc, gardien de la terre, ça me parle aussi du monde d'en bas. Ça me parle d'animaux totems. Ça me parle d'avoir vraiment tous les esprits gardiens autour de vous, les balances. Il y a vraiment une grosse notion d'ancrage, mais pas que. D'ancrage, d'être protégé par et les animaux et les anciens et les anges et autres. Mais là, ça me parle plus du monde d'en bas. En d'autres, dès qu'on vous dit de dire oui, hein, s'il y a une situation dans laquelle vous êtes en doute, on vous dit de dire oui. Si elle tombe comme ça, je vous le dis. On va aller voir avec les petites sirènes quel est le message pour vous, les balances. Signe ascendant lunaire solaire, mes chères balances. Chère balance, pour ce mois de janvier 2022, on attaque l'année avec la transparence, honnêteté, authenticité, présence. Donc là, on vous demande de faire preuve d'honnêteté, d'authenticité et de présence. C'est-à-dire d'être là, mais d'être là en étant vrai, de transparence. C'est la carte de la transparence. Soyez vrai, soyez totalement transparent. Voilà. Les rêves, rêves saisissants, messages oniriques. Donc, soyez à l'écoute de vos rêves parce que si ça arrive en d'autres decks, c'est que peut-être l'univers vous teste pour que vous soyez dans cette vérité du cœur, pour qu'ensuite on vous envoie des vérités. Vous voyez, des fois ça fonctionne comme ça. Voilà ce que je ressens pour vous. Et il y a vraiment cette notion peut-être d'aller faire une méditation pour aller dans le monde d'en bas, pour aller retrouver vos animaux totems. Et il y a peut-être des messages, ou en tout cas, je pense qu'ils auraient peut-être besoin de vous soutenir dans une situation. Pour les balances, signe ascendant lunaire solaire, quel est le message, s'il vous plaît? Ouh, la tour. Pouf, vous attaquez le mois de janvier avec une tour. Donc là, on va vous faire sortir de votre zone de confort, clairement. Il y a quelque chose d'extérieur qui va venir faire complètement s'effondrer votre monde intérieur. La tour, tout se casse la gueule. C'est un coup de foudre, tout se casse la gueule, ok? Je vous le dis, comme ce... Voilà, comme... Pas vous mentir sur les cartes, hein. Je peux pas vous dire ouais, tout est pompé d'up, c'est nickel, bisounours, on s'aime, on se marie. Non, il y a tout qui se casse la gueule, clairement c'est ça. Pourquoi? Pour aller vous aider avec l'impératrice à vous ancrer, vous enraciner. Il y a quelque chose qui va prendre racine. Il y a cette notion de communiquer aussi, d'apprendre à communiquer en étant dans la vérité, d'apprendre à pardonner. Vous avez besoin de pardonner des choses là, les balances. Il y a des choses que vous avez en travers de la gorge. Oui, ça va prendre du temps, on vous dit. Il faut prendre du temps, ça va prendre du temps. Et il y a vraiment cette notion avec la tempérance de prendre le temps, d'être un pied sur terre, un pied dans l'eau. Ça me parle d'ancrage aussi, beaucoup pour vous. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous aurez tendance à être trop le valet de denier. S'il y a tout qui se casse la gueule, c'est pour que vous puissiez trouver qu'est-ce que vous voulez matérialiser dans votre vie qui corresponde à votre âme. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être totalement transparent envers vous-même. Et j'ai l'impression que ça part déjà envers vous-même. Avec le roi d'épée, on vous dit que vous allez pouvoir monter une entreprise, être patron, chef d'entreprise, reprendre votre autorité dans une situation. Il y a quelque chose qui va se matérialiser. Mais avant tout, on va tout faire en sorte que tout se casse la gueule parce que ça n'a plus lieu d'être pour vous, là. Et je rebrasse les cartes et je revois la tour. Donc, bon, vraiment quelque chose qui se casse la gueule. Si ça se casse la gueule, c'est que ça doit se casser la gueule. Donc, on va aller voir ça. Et je les prendrai à l'endroit parce qu'il est à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. Sur la tour, s'il vous plaît, j'aimerais des compléments. Regardez, magnifique. On vous met la grande prêtresse. Ouais.
Donc là, clairement, il va y avoir une reconnexion avec son troisième œil. Il y a une espèce de savoir et quelque chose que vous savez au fond de vous et que vous avez striké, nexté, que vous ne voulez pas regarder. On va vous le remettre en face. On va faire en sorte que les choses se cassent la gueule pour que vous puissiez le voir. Cette notion de savoir intérieur, de vraiment c'est comme si vous le saviez depuis toujours. C'est en vous, vous voyez. Avec le 5 de Pentacle, il y a une situation qui ne donne plus rien, d'accord ? Quelque chose qui n'est pas fait pour vous, qui ne vous correspond pas, des conflits, une perte, d'un manque d'argent, de la perte d'argent. Et là, on vous dit, communiquez, pardonnez, soyez vrai, soyez intègre, entrez-vous, ancrez-vous et vous allez pouvoir faire basculer les choses, d'accord ? Vous savez très bien au fond de vous ce que vous devez faire pour attirer l'abondance à vous, en fait, hein. Regardez, il va vous falloir un peu de temps pour laisser partir cette situation. J'ai l'impression que si cette situation est comme ça, c'est parce que vous, vous la retenez. Il y a des choses qui bloquent encore par rapport à vous. Et alors, ce n'est pas forcément conscient hein, quand je dis ça. C'est que des fois, on bloque certaines choses parce que ça appartient à notre passé, à des lignées transgénérationnelles et autres. Va savoir. En tout cas, là, il va y avoir une belle renaissance. On va laisser mourir ce 5 de Pentacle pour aller renaître vers quelque chose de différent. Avec le valier de Denis, on vous dit que vous allez trouver quelque chose de nouveau à matérialiser et on a le 5 de coupe. Putain, vous, vous avez beaucoup de 5. Il y a cette notion de regret encore, hein. C'est comme si vous regrettez. Alors, qu'est-ce que vous regrettez? Vous regrettez d'avoir mis du temps à matérialiser ça? Vous regrettez d'être dans la perte d'argent? Cette notion de regret, peut-être d'avoir pas fait les choses avant. Et pourtant, vous avez la force derrière qui arrive. Vous avez la force de reprendre votre autorité dans cette situation et d'avancer vers quelque chose de différent. Hein. Il est quand même intriguant, votre tirage les balances. Hein, parce que vous avez l'impératrice, la tempérance, vous avez le valet de denier, que des super cartes. Sur l'impératrice, vous me sortez 5 de Pentacle, quelque chose qui ne donne plus rien, la perte, le manque, la renaissance sur la tempérance, là où on prend du temps, hein, n'est-ce pas? Et sur le valet de denier, là où on va matérialiser quelque chose, on a des regrets. Alors, vous avez des regrets à aller vers un nouveau projet? Oui, c'est compliqué, là. On va aller voir. Bon, soyez un ami pour vous-même et il y a des amis qui vont vous aider dans cette situation, là. À aller peut-être écouter plus vos intuitions, hein. Il y a cette notion de vibrer, de s'entourer des bonnes personnes aussi, hein. Bon, vous allez retrouver quand même un équilibre au niveau du foyer parce que c'est dans le foyer que c'est pas stable. Hein. Une notion de vraiment de perte d'argent que je sens pour vous, de quelque chose qui n'est plus stable au niveau du foyer, de la maison. Il y a une notion de perte. Alors, ça peut être perte d'un conjoint aussi, ça peut être perte de, je sais pas, une voiture, je ne sais quoi. Là, voilà, les choses changent. Là, vous allez vous rééquilibrer. Les choses changent. Et encore heureux que ça change. On vous dit que ça change parce que vous allez vers la renaissance, la mort. Vous allez laisser mourir une situation qui n'avait plus lieu d'être, qui vous mettait dans des énergies basses. Peut-être que vous regrettez un travail ou que vous regrettez de ne pas avoir fait ce travail sur vous avant. Ou que vous regrettez... Il y a une histoire de regret, hein, quand même. Il y a une histoire de regret, vraiment, et d'être embourbé dans un regret par rapport à un travail que vous faites ou que vous avez fait. Ou le fait qu'il y ait beaucoup de travail, de ne pas l'avoir fait avant plus. En tout cas, dans tous les cas, regret ou pas regret, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Vous avez la force, vous allez vers les compromis, vous allez vers la négociation. C'est des signatures de contrat, c'est quelque chose de très positif pour vous, les balances, pour ce mois de janvier. Et c'est aussi un équilibre interne que vous trouvez. Un équilibre que vous trouvez aussi entre le mental et votre côté spirituel. En écoutant bien sûr vos intuitions ici, les balances. Qu'est-ce que la triade nous dit? La triade nous parle de réussite, vous voyez, regardez, vous allez vers une réussite si... Ah, donc tout se casse la gueule, hein. Quand même, hein. J'insiste, tout se casse la gueule, on vous sort de votre zone de confort, vous sautez dans le vide sans parachute, vous ne savez pas si vous tombez sur de la terre, sur de l'eau, on n'en sait rien, mais vous allez garder cette intuition profonde au fond de vous. On vous parle d'être un ami pour vous-même, d'accord, ou de vous entourer des bonnes personnes, et on vous dit que vous allez vers la réussite. On vous dit qu'il va falloir communiquer, vous ancrer là, pour aller vers... Oula. Pour aller vers l'amour. Alors, quand je vous parle de l'amour, il faut aussi ouvrir votre cœur à l'amour. Et ça commence par l'amour de vous-même. Si vous vous aimez correctement, vous êtes stable dans votre vie. Vous n'avez pas ces soucis-là de perte, de manque d'argent. C'est aussi, qu'est-ce que je mérite, voyez? C'est pas le tout de dire, ah oui, oui, je mérite. Mais si on l'attire pas, c'est qu'au fond de nous, et ben on n'a pas cette sensation de mériter de l'argent. C'est pas l'argent, là. Je parle d'argent parce qu'il y a des deniers. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un blocage financier ou un blocage... Je ressens vraiment un blocage financier. S'il y a un blocage financier au sein du foyer ou quoi que ce soit, on vous dit qu'il faut vous aimer correctement.
qu'il faut être honnête, soyez transparent avec vous-même. Comment vous vous aimez? Qu'est-ce que... Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, mais l'argent, nanani, nanana, ça fait chier. En fait, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. C'est la conception qu'en ont les gens. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est quoi cette phrase à la con? L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Ok, super. Aujourd'hui, sans argent, on ne mange pas. Il y a des gens qui ont énormément d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ont énormément d'argent que ce sont des mauvaises personnes. D'accord? Certes, il ne va pas spécialement faire leur bonheur. N'empêche que bah si, parce qu'on est dans une société économique. Donc, à un moment, il faut aussi être honnête. L'argent, aujourd'hui, fait le bonheur parce que ça te permet de nourrir ton frigo et d'assouvir tes besoins primaires. Mais pas que. Il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur, vous voyez. Et c'est vraiment cette notion de relativiser et de... Bref, je ne vais pas vous faire une théorie là-dessus, mais voilà, vous comprenez. Bon, en tout cas, on vous dit que c'est une bénédiction, les changements à venir pour vous. Et qui va, vous allez vers la mort, le changement, donc la renaissance, le changement, quelque chose de très positif. Vous allez pouvoir avoir accès à quelque chose de lointain, quelque chose de... Il y a quelque chose d'ancré depuis longtemps. C'est comme la papesse, hein, c'est un peu un savoir ancestral, vous voyez, avec la notion de frère. C'est une notion peut-être de communication avec un frère, une sœur, en tout cas de parler avec son cœur, de parler de cœur à cœur, d'âme à âme. D'être encore une fois honnête avec soi-même ici, les balances. Des fois, on a l'impression de l'être et on ne l'est pas. Hein. Avec le 6 de coupe, là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, soyez dans l'amour inconditionnel, aimez-vous sans condition. Et là, on parle de vous, c'est une carte conseil. On vous demande de vous aimer sans condition. Bougez pas, j'ai fait tomber une carte. Et je vais aller la chercher, cette petite carte, parce qu'on va en avoir besoin. Et qu'est-ce que c'est? Le mat, magnifique, le nouveau départ, il est temps de partir à l'aventure, d'aller dans un nouveau départ. Ne vous souciez pas de où vous allez, comment vous y allez, mais là, il y a quelque chose de nouveau que vous devez entamer. Et si vous ne le faites pas, on va vous sortir de votre zone de confort. Soyez honnête avec vous-même, communiquez encore une fois, vous me sortez de l'impératrice, il y a cette notion de vous ancrer, ancrez-vous aussi parce qu'on vous demande d'être bien ancré, on vous demande de pardonner, on vous demande de reprendre votre autorité naturelle aussi. Et avec le 3 d'épée, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de blessures d'âme qui traînent depuis trop longtemps et qui vous paralysent pour aller vers un nouveau cycle. Et là, une fois que vous aurez fait ça, vous irez vers le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui est ni plus ni moins que la réussite. On est sous les projecteurs. Là. C'est la réussite dans tout ce qu'on veut. Pour ce faire, il faut être transparent. Et vous pouvez vous faire aider de vraiment d'aller faire une méditation dans le monde d'en bas, les balances. Ça va vraiment vous aider ici. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Voilà ce qu'est le message de votre âme, les balances. Et là, du coup, vous serez dans cette transparence et dans cette honnêteté, dans cette... Puis derrière, on a quand même laissé mourir. Hein. Il y a quelque chose à laisser partir et s'en aller, hein, clairement. Hein. N'hésitez pas, les petites balances, même si vous êtes grand, à vous abonner à cette chaîne, c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, à mettre un commentaire, à mettre un petit like et à activer les notifs. Alors, je vous retiens 2 minutes encore. Je sais qu'on vous fait tout le temps ce débat, mais c'est hyper important parce que ça nous permet de remonter sur les fils de vue, ça nous permet de faire connaître notre chaîne et ça nous permet de rentrer dans les algorithmes. Donc, c'est pas grand-chose, certains ne peuvent pas nous faire des petits dons. Et c'est ok, on ne fait pas ça pour ça. Ceux qui peuvent et qui font des dons, je vous en remercie, c'est adorable. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a qui y pensent, bah, je trouve ça vraiment très gentil. En tout cas, nous, ça nous permet de revaloriser notre travail en ce sens. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vous embrasse fort et puis je continue mes petits signes astro pour le mois de janvier. Ciao, ciao.